Salut à tous, nouvel épisode de vos pubs Task Force. Je sais, ça fait longtemps. Arrêtez. Voilà, je sais, ça fait longtemps, mais c'est reparti, vous inquiétez pas. On va continuer donc ces pubs Task Force. Aujourd'hui, 4 Task Force et je commence tout de suite. Heureusement, parce que si je commence à la fin de la vidéo, ça va pas le faire. Alors, ne me demandez pas pourquoi je suis essoufflé. Alors, la première Task Force, c'est parti. Vous aurez compris, hard to kill en français. Difficile de tuer. Et c'est une task force, voilà, ils ne sont que deux. C'est une task force de 50 membres. J'en fais la pub, tout simplement, parce que déjà, je connais bon, à peu près le chef qui est très actif, on va dire, sur la chaîne. D'ailleurs, je le remercie, je te fais une petite dédicace, Baptiste. Cette phrase était super longue. Et tout simplement, j'ai fait la pub de cette task force parce que je trouve que des fois, des certains moments dans le jeu, on se dit, voilà, j'ai envie de tout refaire, j'ai envie de quitter ma task force, tout quitter et partir ailleurs. Voilà, c'est beau. Mais voilà, je pense que cette task force est parfaite justement pour ça, pour partir à un nouveau point. Il y a 48 places, mais je sais qu'elles peuvent très vite se remplir, ces 48 places. Pas tout de suite, sûrement, mais petit à petit. Donc voilà, salut à toi, jeune boomer, boomeuse. Pour venir, il faut 100 médailles minimum. Les conditions sont moindres, donc pourquoi pas me rejoindre cette task force. Dans ce clan, il y aura de l'humour, de la joie, et il manque de la bonne humeur. Voilà, donc les points de force 128, c'est une nouvelle task force. Je vous invite grandement à la rejoindre, tout simplement. Renseignement 38, en même temps, ils sont que deux. L'identifiant de la force spéciale, je vous laisse la recopier si vous êtes intéressé. Et en plus, ce sont deux joueurs qui ne sont pas bas niveau. Hein. 37 et 42, ce sont des bons niveaux. Connaissons d'accès, donc 100 médailles minimum. Et le type, c'est ouvert à tous. Donc là, ils sont que deux. Donc ils sont sur jeu d'enfant. 70% de réussite, c'est déjà bien, à deux. Mais voilà, je vous invite grandement à rejoindre cette task force Hard to Kill. Voilà, pour la première task force, Baptiste. La deuxième task force, je l'ai choisie parce que j'ai adoré la description de la vidéo, tout simplement, qui s'appelle Poutrance. Donc là, on change totalement de sujet. C'est la task force, donc, de 10 membres. Il y a 2 places, puisqu'ils sont 8. J'ai fait une soustraction dans ma tête. Allez, viens, on est bien, 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 Paulin, merci. Yepiz. Pour ta petite dédicace, d'ailleurs je t'en fais une aussi, et d'ailleurs je fais la promotion de ta, j'allais dire de ta page Facebook, de ta task force. Alors, 2 places dans cette task force, conditions d'accès 100 médailles minimum aussi. Alors ça commence du niveau 18, ça va jusqu'au niveau 40. Vous pouvez être bien sûr entre les deux, je rigole parce qu'il est créé 10 malous. Vous pouvez être entre les deux, vous pouvez être au-dessus, vous pouvez être en dessous, mais conditions d'accès 100 médailles minimum, c'est ouvert à tous. Je vous laisse recopier l'identifiant de la force spéciale si vous êtes intéressé. Au niveau des statistiques, 50% jeu d'enfant. Donc je pense que si beaucoup de joueurs viennent dans cette task force, je pense que le chef voilà, va faire ménage pour garder que des actifs. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur ta task force Poutrance. Enfin, Poutrance, c'est pas un nom. Yepiz, voilà, petite dédicace à toi et encore merci pour ton petit cœur. Troisième task force, j'en présente 4 aujourd'hui. Vous inquiétez pas, en août, je vais en faire plus. C'est parce que là, j'ai vraiment pas le temps. J'ai un train à prendre dans 5 minutes. Alors, Légion FR, j'ai recopié l'identifiant de la force spéciale. D'ailleurs, merci de me l'avoir donné. Puisque c'est vraiment compliqué. Il y en avait énormément. 2, 8, 9, 8, 9. L, J et 0. Voilà. C'est celle-là. Donc là, on revient sur une task force de 50 membres. Il y a 20 places, donc 30 sur 50 membres, il n'y a aucune condition d'accès. Je te conseille par contre le chef ou ouais, le chef de d'écrire au moins une description. Voilà, Tovakin iPhone, dédicace à toi d'ailleurs, petit youtubeur, grand youtubeur, Tovakin for iPhone, de mettre voilà, une description au moins, ça serait pas mal, ça attire le regard. Quand on voit un vide comme ça, on pense que la task force est inactive, et c'est dommage. 759 points de force, renseignement 19. Donc 30 sur 50, conditions d'accès, aucune médaille, et c'est ouvert à tous. Alors le niveau des membres, ça va jusqu'au niveau 49 si je ne me trompe pas, et ça débute au niveau 24. Voilà, c'est une bonne fourchette. J'ai pas de fourchette, sinon je dois la montrer. Statistique, 88% sur genre d'enfant, c'est pas mal, mais une task force avec 30 membres peut passer au-dessus à mon avis. Rejoignez cette task force pour aider d'ailleurs cette task force à progresser. Et je vous rappelle juste que j'ai oublié de dire sur Poutrance, il recherche des joueurs actifs pour progresser et il lance une opération tous les soirs. Voilà. À mon avis, les jeux offerts aussi. Voilà pour cette task force Légion FR. Je passe à la quatrième Ultimate FR.
Alors, 2, Y, U, 9, 8, 8, C, 0. Voilà, Ultimate FR Team, pardon. 16 membres sur 25. Donc voilà, on a à peu près tous les types de task force, non plus des task force de 5 membres. Ultimate FR, bienvenue Boomer, ici, fair play et bonne humeur, tu auras 6-15 renseignements mini par semaine. Donc c'est à peu près 2 à 3 renseignements par jour. Croyez-moi, c'est totalement faisable à n'importe quel niveau. Et attaque opération, tu feras, sinon ciao à toi. Donc voilà, attaquer sur les opérations chaque jour, c'est la base. Vous prenez 2-3 minutes par jour pour attaquer, et voilà, c'est bon, vous pouvez rester dans cette task force. Ça va jusqu'au niveau 46, Koga, et ça débute au niveau 34, ou 32 plutôt, TJ. Niveau 32, ça commence. Donc 32 jusqu'à 46, bonne fourchette aussi. 200 médailles minimum requis pour rejoindre cette task force, et il y a une bonne ambiance. Voilà, c'est la base vraiment des bonnes task force. Même si c'est rare, croyez-moi, c'est rare des bonnes ambiances. Mais apparemment, dans celle-ci, il y en a. Au niveau des statistiques, 90% sur l'opération étroit d'esprit. C'est pas mal. Dans le top 30 000 au classement mondial. Avec un record de points de force obtenu de 1494. Très bonne task force. Je finirai donc sur cette task force qui est d'ailleurs que je vous recommande tout simplement. Voilà, donc il y a eu des task force de 50 membres, 25 et 10. Pour à peu près un maximum de plaisir, j'espère pour vous, pour rejoindre la task force que vous souhaitez intégrer. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette série existe. On se retrouve très bientôt, je vous kiffe les amis. Et bon, on va se quitter là-dessus. Je vous annonce que très bientôt il y aura un nouvel épisode de Super Truc TV et aussi des défis. Et donc nous, on se retrouve très bientôt. Salut à tous.